Enlève tous ces petits bananiers. Ça, je sais pas. Ah, Marie va là, d'autres là-bas. Peut-être c'est gâté ça. Ah. On va là encore d'autres. Regarde, on va aller demander au monsieur qui est en train de les enlever. Il est où? Là-bas. Ok, allons-y. Monsieur Eugène, dites-nous, pourquoi enlever cet enrégé du bananier plantain? On enlève le régé là afin d'obtenir un bon alignement de la plantation. D'accord. Deux, pour obtenir une bonne production en gardant la même densité que le nombre de pieds plantés. D'accord. Et obtenir enfin des gros régimes pour pouvoir les commercialiser. D'accord, d'accord. Sinon, si on laisse les touffes, ça va nous donner des tout petits régimes et qui ne vont pas nous servir. Marie? Oui. Enlever les rejets qu'on a vu hier, ça a l'air vraiment intéressant. Je voudrais en apprendre plus. Qu'est-ce que c'est là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, directeur. Alors, quel est l'intérêt de ne conserver qu'un seul rejet? Si vous conservez tous les rejets, comme on pratique beaucoup avec la touffe, vous avez plein de rejets et chacun va prendre de l'énergie pour pousser. D'accord. Donc, ils vont prendre de l'énergie au pied mère, à son régime. Et du coup, l'ensemble va pousser plus lentement et va être, les régimes probablement seront un peu plus petits. Okay. Si on décide de garder qu'un seul rejet, on va concentrer toute l'énergie du bananier sur le pied mère, qui va être plus robuste, et sur le régime, qui va être plus gros. Et on va aussi permettre au rejet qu'on a gardé de pousser plus vite. Et on peut aller jusqu'à gagner entre 1 et 4 mois à la récolte du second régime. Ça, c'est vrai? C'est intéressant. Ah, ouais. Pour savoir si vous avez sélectionné un bon rejet, il faut regarder que ses feuilles, au moment de la floraison de son pied mère, comme en ce moment, elles aient plus de 10 cm de largeur, c'est-à-dire qu'elles commencent à être fonctionnelles. Okay. Donc le rejet commence à être indépendant, et donc il commence à produire sa matière, sa biomasse tout seul. Okay. D'accord. Et donc du coup, il ne pénalise plus le pied mère. D'accord. Alors, M. Sylvain, j'ai l'impression que enlever plusieurs rejets, ça abîme beaucoup le bananier. Oui, si on fait l'œilletonnage trop tard, c'est-à-dire si on enlève les rejets trop tard, ils sont gros, et du coup c'est difficile, on risque d'abîmer le pied mère, d'abîmer les racines du pied mère, et donc le résultat est pas très productif. Ah, d'accord. Pour éviter ça, on va plutôt essayer de faire ce travail très tôt, c'est-à-dire au stade où les rejets sont encore des œilletons. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça va permettre d'éviter d'abîmer. Okay. D'accord. On va aller voir ce qu'est un œilleton. D'accord, c'est un sous-sol, allons-y. Donc, comme je vous ai dit, voilà un œilleton. Donc, un œilleton, c'est un rejet naissant. Supprimer cet œilleton ne va pas trop blesser le pied mère. Et faire cette opération, ça s'appelle l'œilletonnage précoce. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est un petit rejet. Parfois, les œilletons ne sont pas visibles et donc il faut les laisser se développer pour voir les petits rejets comme celui-ci apparaître. Néanmoins, ces petits rejets, il faut les supprimer le plus tôt possible, il ne faut pas les laisser se développer parce que sinon on risquerait à nouveau de blesser le pied mère. Donc on va essayer de les supprimer quand ils font moins de 10 cm de hauteur. Cet après-midi, nous allons vous expliquer la technique de l'œilletonnage précoce en détail. D'accord, merci. Comment vous faites l'œilletonnage? Je place ma gouge derrière le rejet, j'enfonce pour faire
un trou qu'on appelle un lit. Là, je tire légèrement mon rejet et je place la gauche entre le rejet et le pied. D'accord. Et j'enfonce légèrement en inclinant un peu pour pouvoir atteindre le point de croissance, pour ne pas que le rejet soit mal coupé. Okay. Et j'enfonce. Ok. Après avoir fini d'enfoncer la gauche, je remets la gauche sur mon côté et je me sers de levier pour pouvoir ressortir le rejet. Okay. Ok. Et là, il sort mon rejet. Nous sommes dans une parcelle où il y a assez de gravats, donc il est un peu difficile. Donc il faut faire souvent très attention pour ne pas briser le rejet. Alors je referme mon trou. Quand tu refermes, il faut bien damer parce qu'il est important, sinon le pied risque de chuter. Si on le comprend pourquoi ces rejets peuvent gêner les pieds mères, ils doivent être supprimés. Je vais vous montrer un petit peu comment se passe le système d'émission de rejets. Là, nous avons déterré un plant de bananier, premier cycle, issu de vivoplants, et c'est la même chose avec des vitroplants. D'accord. Et ce bananier, donc vivoplan ou vitroplan, a une caractéristique, c'est qu'il émet des rejets profonds qui partent d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rejets, en général, c'est la première, on appelle ça la première couronne. Mm-hmm. Ces rejets ont un inconvénient, deux inconvénients. Mm-hmm. Il y en a un. C'est qu'en se développant, en augmentant de volume par leur base, ils vont petit à petit faire remonter le pied mère. Mmh. Et ce qui risque d'avoir des chutes. Le deuxième inconvénient, c'est que ces rejets inhibent la sortie des autres rejets. Donc ça empêche la croissance de ceux-ci. Voilà, inhiber, ça veut dire empêcher. Il envoie un signal pour pas que ces petits œilletons partent en rejet. Mmh. Et donc, nous, ce que l'on conseille au premier cycle, c'est d'enlever tous ces gros rejets qui sont partis en premier. Mmh. Okay. Et à ce moment-là, vont se développer ces œilletons qui vont devenir des rejets. Et ces rejets-là vont aller plus vite en développement. Super. Que les autres rejets qui étaient plus tardifs. D'accord. Ils vont se développer plus lentement. Et en plus, ça va donner un retour de cycle, donc une production plus rapprochée pour le deuxième cycle. C'est incroyable. Avec cela, pas avec cela. D'accord. Hé, Sylvain. Oui. Thierry nous a conseillé de supprimer systématiquement les 5 premiers rejets des vivoplants ou des vitroplants. Au premier cycle. Alors, comment faire pour conserver le bon rejet? Alors, il y a 3 critères. Oui. Le premier critère, il faut que le rejet ne soit pas trop profond. D'accord. S'il est trop profond, il va soulever le pied mère en grossissant et il va fragiliser les racines. D'accord. Ce sera donc ni bon pour le pied mère, ni bon pour le rejet. Ok. Par exemple, vous voyez ici le petit rejet. Oui. Si on gratte un peu entre le rejet et le pied mère, on voit qu'il y a une racine qui passe par-dessus. D'accord. Ça, c'est un indicateur que le rejet est trop profond. Okay. D'accord. Donc, on ne va pas choisir ce type de rejet. Le deuxième critère, c'est d'aller plutôt sur des œilletons qui vont avoir une bague. Oui. Okay. Donc, un œilleton, c'est ce qui précède un rejet, comme ce qu'on a ici. Et la bague, c'est ce qui est vert autour, qui en vieillissant va devenir marron. D'accord. On voit bien que là, il est en surface. Et cette bague est un indicateur de rejet robuste, vigoureux, qui va amener un gros régime assez rapidement. Ah. Okay. Donc ça, c'est un très bon œilleton. Okay. D'accord.
le troisième critère, c'est que en fait, on conserve l'alignement initial de la plantation. Oui. Donc là, on voit bien qu'on est sur une ligne. Donc dans l'idéal, il nous faudrait un œilleton qui soit ici. Sur la même ligne. On voit que celui-ci, il répond à nos trois critères. D'accord. D'accord. Ok. Bah, et celui-là alors? Alors celui-là, si on reprend nos trois critères, on voit qu'il est en surface. Oui. On voit qu'il a une bague. Ok. Donc ça, c'est plutôt des bons critères. D'accord. Mais par contre, il est perpendiculaire à la ligne. Ah. Donc on ne va pas le sélectionner, sinon la parcelle ne va plus être organisée. Ok. 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 Surtout, il ne faut pas avoir peur de supprimer des œilletons. Il faut savoir que à chaque fois que le bananier émet une feuille, il y a un nouvel œilleton qui sort. Ah. Donc du coup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peuvent apparaître avant que vous voyez arriver celui qui est très bon et que vous allez choisir. Donc il ne faut pas avoir peur d'enlever, il ne faut pas être trop impatient et de se dire « Ok, il va arriver le bon œilleton avec une bague ». Il ne faut pas avoir peur non plus, une fois qu'on l'a choisi, d'enlever les autres qui vont venir. Parce que si on les laisse, on va prendre de l'énergie et c'est contre-productif. D'accord. Voilà. Pour les enlever, on utilise soit une gouge, comme ça, soit une machette toute simple, comme tous les producteurs possèdent. Oui. Et ce travail d'œilletonnage et de sélection du bon œilleton, on va le commencer à peu près la 10e semaine après la plantation. Et après, il faut revenir toutes les 3 semaines. Soit pour voir les nouveaux œilletons qui sont sortis et voir dedans s'il y a le bon pour le sélectionner. Oui. Soit parce qu'on l'a déjà sélectionné et qu'il faut enlever les nouveaux qui sont arrivés depuis. D'accord. 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 Mais là, nos rejets, ils sont tout petits. Mais si on arrive trop tard, alors? Donc si on arrive trop tard, ils vont être un peu plus grands. Ok. Et utiliser la machette, la gouge, comme on l'a dit, ça va abîmer un peu le pied-mère. Okay. Donc du coup, il y a une autre technique qui existe pour les supprimer. Et ça, mon collègue va vous expliquer la méthode de façon détaillée. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah tiens, voilà ma machette. Ce rejet est un peu plus grand. Je vais chercher son bulbe. Je creuse d'abord comme ça pour pouvoir trouver son bulbe. Parce que à cette taille, si je ne le détruis pas, il va commencer à abîmer le pré-main et c'est pas bien. Donc vous voyez comment le bulbe, le petit creux que ça commence à creuser là. Mm-hmm. Oui, ça c'est le bulbe. Et là, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma machette. J'utilise ma machette pour les détruire. Pour me rassurer que j'ai détruit mon système apical, je sors une perpendiculaire. Là, j'ai détruit ce rejet. D'accord. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Là, c'est super clé maintenant. Cette technique est vraiment très importante pour augmenter notre production. Il faudrait que nous apprenions à la maîtriser. Si vous aussi vous voulez savoir faire l'œilletonnage précoce, n'hésitez surtout pas à aller voir un conseiller agricole. Il vous montrera.